Yo tout le monde, j'espère que tu vas bien, que ta journée se passe bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va partir ensemble dans un festival auquel je vais tous les ans dans le sud, donc ça s'appelle les Festijades, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est dans un stade de rugby à Fleury d'Aude près de Narbonne et tout autour du stade il y a des stands de bouffe etc. Et il y a 3 soirs des concerts. Cette année on va en faire 2, un pour mon père et un pour moi. Ce soir c'est celui de mon père, c'est Alpha Blondie, donc je ne connais absolument pas, c'est un mec qui fait du reggae je crois. Donc on va découvrir ça ensemble et on va passer une bonne soirée. Sachant qu'aujourd'hui on n'y va pas pour manger, mais on y va seulement pour écouter la musique et le concert de ce soir. Et on y passera plus de temps, pardon, dimanche pour le concert de Jérémy Frérot. J'espère que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Du coup, le concert est à 21h, mais le temps qu'il y ait la première partie, etc. Aujourd'hui, vraiment, on n'a pas besoin d'y être tôt, on veut pas forcément être devant. Donc, on va partir de chez nous à 21h. On met, genre, je dirais 15-20 minutes jusqu'au stade. Et donc voilà, aujourd'hui on fait tranquille, on va découvrir ça ensemble parce que je n'ai vraiment aucune idée de quoi, bref, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment, aujourd'hui en plus on part sur un look festival en mode ananas et chemise à palmier là. Bon, du coup il est bientôt 21h, donc là je termine de me préparer. Par contre il fait hyper chaud, si mon ami le ventilateur je pouvais l'emmener avec... ça serait top, mais voilà. Une bonne soirée en perspective, je pense. Et voilà, je vous emmène avec moi pour qu'on passe cette soirée ensemble. Ça va être cool, détente. On va découvrir de la musique ensemble, pour une fois. Que c'est pas quelqu'un que je connais, que je vais voir. Donc, let's go. Écoutez du reggae. Absolument pas mon style de musique de base, mais bon. Je suis ouvert. Qui va au Festijades là. Il y a des voitures garées jusque là. Bah si les gens, tous les gens d'en face ils reviennent à mon avis de la ville, c'est que la ville elle doit être pleine. Hein. T'as, les gens sont garés jusqu'à l'autre bout de la ville quoi, choqué. Enfin même en dehors de la ville. C'est un peu pareil que l'année dernière avec David Hallyday en fait. Écoute, c'est une star internationale, hein. Qu'est-ce que tu veux pour une fois qu'il y a quelqu'un de connu. Ouais, mais le monde... En fait ça se trouve c'est tout le temps comme ça, mais comme d'habitude on vient hyper tôt et que genre... on se gare tout de suite à côté, on se rend pas compte que c'est comme ça. Oh là là. Vraiment, il y a des voitures dans toute la ville, je suis choqué. Ah, sinon, on se gare dans la forêt, c'est bien aussi. Hein. Yes. Mais la meuf, elle râle, mais on peut pas... Mais bête, celle-là. Heureusement qu'il y a des gens qui ont un peu d'humour hein, quand même, parce que entre les cons et... T'as fermé la voiture, Franck. T'as fermé la voiture. Bon, clairement, on est garé dans les champs. On sait même pas où on est par rapport au festival. D'où Jésus. Je sais pas combien de... Mais on est où? Oui, mais la ville, elle est par là ou par là? Par à gauche. Du coup, le festival, c'est par là. Nous, on est là. Et il y a encore des gens qui sont là-bas, genre tout là-bas, tout droit. Je n'ai jamais vu autant de monde. Honnêtement, s'il y a quelqu'un de la ville de Fleury qui tombe sur cette vidéo, s'il vous plaît, les années prochaines, ouvrez des champs pour qu'on se gare avec les voitures. Parce que là, si vous saviez le bordel, alors je sais pas si c'est parce que c'est les 30 ans ou si c'est parce que le mec est connu internationalement, mais là, clairement, j'ai jamais vu un bordel pareil. Alors que pourtant, la saison estivale, niveau touriste, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf depuis certaines années. Hein. Je suis choqué parce que là, on arrive, la fosse, genre, du stade est déjà complète. Oh, il déplace les foules, le monsieur, moi je le connaissais pas, mais je suis choqué. À peine arrivé que le concert, il commence déjà. Un bon berger. Je ne manquerai de rien. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Bonsoir. Mon dieu, il en a mis du temps à arriver le mec, son date 3 a duré 10 minutes. C'est la vie, compagnie.
Fanta Diallo, je t'aide à la peau. Fanta Diallo, c'est toi qu'il me faut. Fanta Diallo. Bon, après une heure de concert, on est déjà à la deuxième coupure de courant. Ça commence à râler. Le premier jour de la création. Mon frère Hugues va donner la note. Yes, I. Alors moi je vais faire Brigadier Kavoufoye et vous allez répondre Brigadier Savary. Hein, ça va? Brigadier Kavoufoye. Alright. Brigadier Kavoufoye. Brigadier Kavoufoye. Brigadier Kavoufoye. Brigadier Kavoufoye. Brigadier Savary. Brigadier Kavoufoye. Brigadier Savary. Brigadier Kavoufoye. Brigadier Savary. Brigadier Kavoufoye. Brigadier Savary. Là ce soir, merci ma fille. Merci. Voilà, le concert est fini. On repart avec tous les gens. À mon avis, on va être dans les bouchons en sortant. Mais voilà, on va essayer de sortir le plus tôt possible de tout ça parce que genre. Bref, il y a tout ce monde qui part en même temps. Première soirée du festival qui est terminée. Le monde qu'il y a, c'est vraiment un truc de dingue. J'ai jamais vu autant de monde ici. Et yes, les bouchons, alors qu'on n'est même pas. On vient juste de sortir du stade. Donc, imaginez-nous. Je pense qu'on est parti pour un bon moment, voire des bonnes heures dans les bouchons. Super. Yes, 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 les bouchons, yes. Bon, maintenant, direction les champs, n'est-ce pas? C'est un de ces bordels. Et ça ne sert à rien de klaxonner, ça avancera pas mieux. Et c'est la nuit des étoiles en plus aujourd'hui.
Ah, les gens, je vous jure, alors que tout le monde va dans un sens, il faut qu'il y en ait qui aillent dans l'autre sens pour faire des bouchons. Vous me voyez pas, mais je pète mon coup de gueule. Les gens sont bêtes. On est où, là? On est même plus sur une route, si? Non, pas vraiment, non. Bon, en tout cas, on n'aura pas mis longtemps à sortir. Hein. Bon, du coup, on rentre du festival. Là, le retour fut, n'est-ce pas, périlleux. Et l'ambiance, elle était trop bien. J'ai jamais vu autant de monde là-bas, je pense. C'était ouf. Et on remet ça dans 2 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo.